Et donc nous on a cherché des fonds, avec Nalila on a monté un gros dossier, on a fait des soirées, les jeunes ils sont aussi venus aider, on a fait des nez, tels qu'un nez escargot, un nez épouvantail, des nœuds de clown qu'on a décorés et qu'ils ont vendus sur les marchés. Ils sont venus nous aider faire les marchés de Noël et la moitié était pour Circonflexe, l'autre moitié était pour le projet. Il y a beaucoup de gens qui ont donné lors des soirées, qui ont donné aussi sur la plateforme de financement et du coup tout ça les uns avec les autres, ça fait qu'on a réussi à pouvoir partir. Et surtout à pouvoir faire les travaux ici parce que ça coûte quand même très cher. Tous les jeunes ils ont eux-mêmes payé leur billet d'avion pour éviter que ce soit un trop gros coût pour l'association. À 5h du mat, il faisait chaud. J'ai vraiment trouvé l'accueil magnifique. Alors on est arrivé et vraiment on a accueilli comme des princes. Donc le centre d'accueil s'appelle Le Prince et l'organisation c'est Enfance Meurtrée Sans Frontières. Il n'y a pas de barrière, ni de religion, ni de race, ni de sexe, ni de tout. Ils sont des enfants. Ce qu'on recherche c'est le chemin de leur cœur et vous êtes les bienvenus chez Les Princes. Vous êtes des princes et des princesses. Alors bienvenue à la maison, ici en Côte d'Ivoire on dit Akwaba. Moi je suis de la République centrafricaine et de mère congolaise. Et je suis ici, j'ai le bonheur de m'occuper des enfants ivoiriens. Oh voilà, bah, tenez, vous avez à manger, à boire, installez-vous. Elle nous a vraiment bien expliqué ce qu'elle faisait, maman Guy, elle s'est présentée. Elle a présenté vite fait un enfant qui est passé, elle a présenté chaque maman. Elle a vraiment, du coup c'était super clair, on n'était pas perdu dès le début. C'était vraiment, ok on arrive, on sait où est-ce qu'on est. Quoi. C'est le premier jour quand on est arrivé, un des grands là, Arthur, il s'est levé à table et il a parlé. Il nous a remercié d'être là quoi, il nous a montré ce que ça le touchait quoi. Et à ce moment, ah ça m'a ému là. Disons qu'ils parlent tous bien ici, ils parlent avec le cœur et ça se sent. Parce que c'est pas donné à tout le monde de recevoir.
vois Sainte-Philippe en séjour, dimanche, sabbat. Et on s'attend, moi je ne m'attendais pas du tout à autant être aussi facilement accepté dans leur grande famille. Quoi. On m'appelle affectueusement Maman Guy. Je suis pasteur Augustine Ouattara-Malais et je suis la représentante Afrique de Enfance Meurtrie Sans Frontières. Enfance Meurtrie Sans Frontières a été créée par la volonté de plusieurs situations en Afrique, des situations de guerre, laissant des enfants et puis des situations de déplacés de guerre. Je voulais honorer mon père, la mémoire de mon père, pour ce qu'il a été en tant qu'orphelin et qui n'a pas baissé les bras. Il a eu le courage de s'en sortir et il nous a donné une vie radieuse. Et moi, je me suis dit, je ne laisserai aucun orphelin à ma charge devenir quelqu'un qui manque de tout. Nous avons décidé de travailler dans trois domaines d'intervention que sont la protection, la santé et l'éducation. La cofondation a été faite, d'abord la fondation en Europe pour le pasteur Renaud et moi ici en Afrique de 2002 à 2003. Nous luttons pour la protection de la femme et protection de l'enfant. Enfance meurtrie sans frontières parce que nous savons qu'il y a eu des problèmes au Congo, il y en a eu en Côte d'Ivoire, il peut y en avoir ailleurs. Aujourd'hui, il y en a en Centrafrique, il y en a partout au Soudan. On se dit que l'Afrique est vaste et qu'il fallait briser les frontières, les barrières de race, de lieu, d'ethnie. J'ai choisi de prendre un peu de chaque enfant de toutes les régions pour créer la Côte d'Ivoire, la petite Côte d'Ivoire au niveau de Enfance Meurtrie et de faire du centre Le Prince pour dire vous étiez blessé dehors, meurtri dans vos cœurs, vous venez au centre à l'orphelinat, vous êtes des princes. Ma vision, c'était d'emmener l'enfant africain à connaître ses valeurs, ses talents, ses potentialités, à s'élever un peu plus et à voir différemment, à connaître un minimum de confort, à connaître un minimum de savoir-vivre, à être à l'aise au milieu des autres enfants. La priorité, c'est les valeurs spirituelles, des valeurs morales. La transformation de mentalité. Le développement de l'Afrique, ça ne sera pas parce que les gens viendront nous assister continuellement. Le développement va provenir du changement de mentalité, du changement de vision, de quitter le domaine de l'assistanat et de mendicité aussi, et du banditisme, et du côté de rêveur, de se dire que le bonheur se trouve ailleurs. Je pense que le bonheur est là où on est. Et je voudrais dire à ces enfants que c'est possible, ils en ont. Chaque être qui a été créé n'est pas créé par lui-même. Il y a une force, il y a Dieu, il y a un créateur. Et il a mis en chacun la possibilité, la chance de réussir. Ou alors on étouffe ses chances, ou alors on cultive ces chances-là. Et moi, j'aimerais vraiment leur dire que c'est possible de cultiver. Beaucoup d'ONG gardent des enfants juste 2-3 ans. Et puis les enfants s'en vont, qui prennent des enfants déjà adolescents et puis les enfants s'en vont. Mais il y a des enfants que nous avons pris à 3 ans, 2 ans et demi. Il y a Charles qu'on a eu à 4 ans et tout ça, mais il y a des enfants que nous poussons jusqu'à leurs limites. Je suis Monsieur Truki Eric, je suis membre de l'ONG Enfance Meurtrie Sans Frontières. Je suis là depuis la création. Il n'y a pas un enfant ici que je ne maîtrise pas son dossier ou que je ne le connais pas. Les enfants, il faut faire du bien, les enfants qui viennent avec... Je prends le cas de Charles. Charles, quand il venait, il ne parlait pas français. Charles ne parlait pas français, il avait un gros ventre parce qu'il était vraiment malade. Et quand je l'ai amené, il vomissait sur mes pieds. Mais aujourd'hui, Charles parle français, Charles est en classe de 3e, seconde, je crois, et puis bon. Faire du bien, voir un enfant qui évolue, à qui tu as fait du bien depuis bas âge, qui est aujourd'hui à l'université, qui a eu un master, qui a eu un bac, qui a le plus grand, qui a eu sa licence cette année. Ça fait du bien, c'est tout. Apporter de l'aide à un enfant qui tourne un regard inquiet et que tu le rassures. De faire du bien, c'est tout. C'est le but, quoi. On n'attend rien, pas de salaire, il n'y a rien, mais on fait du bien. Je pense que l'Afrique peut changer. Et ces enfants, nous les préparons comme pépinières pour que peut-être une personne dans une entreprise change aussi son environnement. Nous avons cet espoir, c'est peut-être vaste, c'est peut-être prétentieux, mais je pense que
Martin Luther King a rêvé. Peut-être après sa mort, les choses sont réalisées, mais peut-être qu'un jour, ça se réalisera. L'idée du poulailler, elle vient du fait qu'on voulait ici faire quelque chose de durable pour aider les enfants. En fait, je suis super heureuse parce qu'on se dit souvent, comme le petit colibri, quoi, qu'est-ce qu'on peut faire ? On est devant un tel chantier sur la planète, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est vrai que se dire de faire une petite action concrète comme ça, qui peut servir dans le temps, et qui peut aider, même si c'est pas beaucoup, hein, ça contribue et c'est chouette. Après, cette idée, c'est Benoît et maman qui ont une idée sur qu'est-ce qui pouvait être important. Mais... L'orphelinat n'avait pas de terrain disponible, du coup le poulailler en fait il a été construit sur le terrain d'une amie de maman Ogi qui s'appelle Marie-Jeanne. Déjà quand je suis arrivée à Jesusland, j'ai entendu le nom, ça m'a fait marrer au début parce que c'est marrant d'avoir appelé un endroit Jesusland. Et quand je suis arrivée, on est arrivé du côté de chez Marie-Jeanne. Je trouve ça tellement beau, je te dis, c'est le paradis ici, il y a des cocotiers partout, c'est super vert et tout, c'est trop beau. C'était un peu un petit coin de paradis avec les cocotiers et tout. C'était le paradis, j'avais un petit paradis. Un paradis. Et c'est vraiment un petit coin de paradis. Il y avait une guerre en Côte d'Ivoire en 2011. Voilà. Je suis allée là-bas, j'ai recueilli quelques orphelins. Ils étaient abandonnés tout seuls dans la maison, je les ai recueillis et puis on les a regroupés. J'ai trouvé une bonne dame gentille, vraiment qui aime les enfants. Et puis on a loué une maison et puis les a mis dedans, une vingtaine. Et ils sont à 200 km d'ici. En attendant qu'ici, en attendant, c'est après que j'ai eu le terrain ici et puis bon, on a commencé à aménager. Une fois que tout est fini, on va aller les chercher, ils vont tous débarquer ici. Donc, Jesusland est né en 2014. Ici, Jesusland, à l'époque, quand elle est venue sur cette terre, c'était carrément de la brousse. C'était pas le paradis qu'on voit actuellement. Elle a tout refait. Du coup, elle et Ruth, à la machette, elles se sont mises au travail. Elles allaient au lac prendre l'eau pour arroser le gazon. Et c'est tout le gazon qu'on voit là. Jesusland, c'est un petit village, un village chrétien, où justement il doit avoir les valeurs de Christ. C'est ça Jesusland. Voilà. Donc, tu veux te reposer, tu veux prier, normalement tu viens ici. Tu as aussi des enfants, des orphelins qui ne savent pas où aller. Ça fait partie de la mission de Christ. De s'occuper des autres, d'aimer les autres. Franchement, c'est miraculeux hein, ce qui se passe. Parce que normalement, on va dire, c'est avec ses propres fonds, ou bien les aides de ses proches, moi, mon grand frère, tu vois. Il arrive aussi de temps en temps que quelqu'un passe et qu'il se dise « Ah, j'ai vu Jesusland, qu'est-ce que c'est ? Vous avez des enfants ?» ou des choses comme ça. Et puis, ils aident, ils apportent de l'eau, par exemple, ou bien ils apportent des vivres. Jesusland qui attire toujours les gens sont curieux, ils veulent savoir, Jesusland, Jésusland, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est comme ça qu'un monsieur est arrivé ici, et puis il a dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je lui ai dit, bon, mais pour tous, c'est un camp pour tous les fatigués, quoi, les gens qui sont fatigués de la vie, qui veulent vraiment une vie simple, une vie de gens, tu vois, sans protocole, qui aiment les enfants abandonnés, les veuves qui ne savent pas quoi faire, les mères bébés, les petites filles bébés, les petites filles qui font des enfants, qui ne savent pas où aller, les gens qui sont dans le besoin qu'on essaie de recueillir tout le monde ici. Enfin, du coup, il a dit, tiens, je connais une dame qui fait la même chose que qui recueille les orphelins aussi. Elle est à Bassam. J'ai trouvé Ogi, on a sympathisé. Et puis bon, moi, j'avais du terrain, le terrain il est vaste, je ne peux pas l'occuper, je peux pas occuper tout le terrain. Elle cherchait un terrain parce qu'elle loue. Et puis je pense que c'est chouette pour Marie, parce que Marie-Jeanne, elle est un peu seule là-bas. Et je me dis que le fait que maman et Anguille et Marie-Jeanne se sont rencontrées, c'est deux grandes femmes qui ont une vision semblable, qui se sont rencontrées, qui vont soutenir. Et je pense que ça fait du bien à l'une et à l'autre d'avoir ce lieu qui devient un peu commun. Nous nous sommes rencontrées de manière extraordinaire. Inexplicable et tout de suite ça a collé. J'aime sa foi, j'aime son courage,
J'aime sa conviction, sa détermination, ses objectifs, ses visions, sa vision de la vie. Je l'aime et j'aimerais vraiment que ça perdure et que, quelles que soient les situations qui puissent arriver, qu'on ait la force de pouvoir gérer les choses, la force morale, la force d'amour et d'unité. C'est vraiment ce à quoi je crois. Et que je puisse savoir que vous, les enfants qui êtes venus, que vous soyez nos enfants pour longtemps. Et qu'à chaque fois qu'on entend un nom, qu'on se souvienne de chaque pas que vous avez posé sur ce terrain, de chaque acte que vous avez posé, de chaque amour que vous avez donné, de chaque instant que vous avez donné, de chaque moment de joie que vous avez donné pour remplir nos cœurs de mère, parce qu'on veut être mère d'une multitude et avoir la joie d'avoir des blancs et des noirs ensemble, comme nos enfants. Et on a vu des enfants blancs et noirs ensemble, s'amusant, jouant sur ce terrain qui était une rousse. Voir que des cœurs radieux viennent s'amuser, jouer, ça a été un rêve qui est en train de se réaliser. Là où tu es assise, il y a quelques 3 mois, c'était encore la forêt. Ce que j'aimerais dire, c'est surtout rebondir sur le projet, parce que tout le parcours de Marie-Jeanne nous a prédisposés à réaliser ce que la bande Azita est venue faire ici. Parce que j'avais ce poulailler en rêve. Et je l'ai vu se dessiner. Quand je suis arrivée au chantier, la première chose que je me suis dit, c'est « Ah, quand même !» Waouh, je m'attendais pas à ça. Et papa, déjà, il nous avait prévenu que ça allait être un gros truc et tout. Mais j'imaginais vraiment pas comme ça. Je me suis dit, ça va, on a pas mal de boulot. À la base, on s'attendait pas à avoir un si grand poulailler. À la base, quand on était parti sur l'histoire de faire un poulailler avec eux, on était parti en effet sur un petit poulailler juste pour subvenir à leurs besoins. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, Benoît il est parti sur 200 poules, 300 poules, 500 poules, 1000 poules. Quand on est arrivé ici, c'était un peu comme ça là. Donc on est arrivé, c'était comme ça. Il y a quelqu'un qui est venu avec un tractopelle et on a tout bien mangé là, on a tout mis à plat avec le tractopelle. On a fait une route là qui est bien pour pouvoir accéder à cheminer le matériel ici. Au début il y a eu beaucoup les enfants de l'orphelinat là qui sont venus pour aider quand même. Ça c'était sympa parce que quand tout le groupe n'était pas encore là, eux ils étaient là quand même. Il y a des moments où il y a des gros tas de terre, là. Il y a 6 camions pleins de terre qui arrivent, qui laissent des tas de terre, et puis il faut tout bouger à la brouette. Tous ces moments-là n'étaient pas forcément faciles si on n'était pas nombreux. Une journée type, c'est lever 7h, 6h30 pour les courageux qui veulent aider à faire la cuisine le matin, mais ça j'ai toujours pas réussi. On décolle de là-bas entre 7h45 et 8h, voilà, après avoir petit déjeuner. On arrive à Jesus Land, on bosse sur le chantier jusqu'à 12h30, 1h. Souvent le matin, ce qu'on a fait, c'est qu'il y en avait qui restaient pour aider à faire à manger. Et après, en fonction, soit on mange au chantier et on continue un peu l'après-midi, soit on rentre et on mange avec les enfants et on passe l'après-midi tranquille, ou alors on va au marché, ou alors on va à l'océan. On se débrouille pour pouvoir se reposer un peu. Il y a des jours c'est possible, d'autres non. Et le soir, on mange avec les enfants, tous les soirs. Parfois on fait des ateliers, et après on est un peu tranquille, on fait des jeux avec eux. On fait une petite réunion entre nous, et puis on va se coucher quoi. Les enfants, ils font beaucoup de choses. Quand on sort, ils sont déjà là à balayer, à faire. Ils sont à droite, à gauche, ils travaillent. Ils travaillent tous pour que ça marche entre eux. Et du coup, c'est très impressionnant. C'est une organisation familiale, en fait. Ils ont un tableau, un endroit où tous les enfants savent ce qu'ils doivent faire dans la journée, à telle heure. Les repas du midi. Pendant qu'on était là, en tout cas, les mamans, elles commencent à préparer le soir d'avant, elles coupent certains légumes et tout.
Et ensuite, elles mettent préparent le matin, elles font cuire les légumes, les viandes, tout ça. Et pour qu'ensuite, tous après le midi, quand on revient du chantier ou quand les enfants reviennent de l'école. Putain, mais moi je suis plus de l'école. Non, je suis une con. En plus, ça dépend des unes. Ah yes. Ça doit être calculable. Putain, on l'aura mon mix. Je pense qu'on a gagné une heure là. On a gagné du temps quand même. Il y a maman Ogi qui désigne quelqu'un pour faire la prière. Donc, un des enfants, ça peut être les grands, ça peut être les petits. Ça peut être, la dernière fois c'était Mika, donc quelqu'un qui est venu rester avec nous. Et donc cette personne fait la prière et ensuite le service commence. Donc c'est, au début c'était surtout les mamans de l'orphelinat qui faisaient le service avec les plus grands, les plus grandes. Enfin c'est nous, au bout d'un moment on est venu aider la bande, enfin c'est en fait qu'on est venu aider au service. Il y a des légumes, il y a une entrée un plat ou un plat un dessert ou entrée plat dessert. C'est moi je trouve ça équilibré et puis c'est toujours plein de saveurs. C'est fait avec tellement d'amour que c'est un régal quoi. J'adore faire la vaisselle ici. On met des grosses bassines là, remplies d'eau, on est tous assis autour, on a des petits tabourets autour. Pré-lavage, lavage, rinçage. Et ils sont vachement bien organisés. Il y a une équipe, nous on est venus en soutien, mais tu as le pré-laveur, le laveur, souvent les plus petits qui rangent la vaisselle. Mais voilà, c'est sympa parce que tu es assis avec tes petits tabourets autour de la vaisselle, tu patouilles en discutant, donc c'est un bon moment. Je trouve qu'ils dépensent, les mamans dépensent énormément d'énergie pour justement le bien-être des enfants. Quoi. Il y a un groupe de femmes qui est vachement moteur dans l'orphelinat. Quand on se lève le matin, elles sont déjà debout et quand on se couche le soir, elles sont encore debout. Moi, c'est la vaisselle, quoi. Je me sens à l'aise aussi avec les enfants, je fais la nourriture. En tout cas, tout va bien. Je suis trop contente d'être ici parmi les enfants, de la vaisselle. C'est Lisette parce que ça me plaît quand je peux travailler et avec les enfants. C'est comme en famille ici quoi. Je me lève le matin, je me fais du petit déjeuner. Je dois tout faire pour que les enfants puissent manger avant d'aller à l'école. Pour ouvrir tout quand ils reviennent, il faut que la nourriture soit prête pour qu'ils puissent manger puis aller à l'école à temps. Nous trouvons des mamans que nous aidons. Et puis nous payons à raison pour le moment. Elles demandent plus, mais on ne peut pas. Donc à raison de 50 euros par mois. Mais on les prend totalement en charge. Elles sont logées, nourries. On leur donne des vêtements, on donne tout. Je dis qu'il y a eu des années où il n'y avait aucune maman à la cuisine. C'était nous qui faisions la cuisine. Tu vas à l'école, tu viens. Les autres, la plus petite sont encore derrière. Donc tu es obligé de faire une soupe avec du riz rapidement pour que lorsqu'ils vont venir plus manger et retourner encore après. Grâce à mes conférences, je peux emmener un peu d'argent ici. Nous allons pour acheter des invendus. Et avec ces invendus, nous trions, nous vendons une partie et puis nous gardons une partie pour les enfants. Et aussi, il y a d'autres entreprises qui, de manière aussi ponctuelle, nous aident pour le savon, et qui nous donne parfois du riz, mais la quantité est limitée. Et aussi, nous avons des donateurs individuels qui viennent comme ça pour nous donner parfois du riz. Et nous-mêmes, si nous recevons aussi en don, nous pouvons aussi en acheter. Et si on réussit à faire des conférences où le pasteur est nous, s'il a fait aussi des prédications ailleurs, ce qu'il reçoit, il envoie ici. Et ce que je reçois en conférence, j'envoie ici. Et là, on regarde ce qui manque le plus, on achète. En gros, pour supporter pendant 3 mois, 2 mois ou 3 mois avant qu'on ne soit en panne. En ce moment, nous avons une trentaine d'enfants. Et la capacité de l'orphelinat est de 40 enfants, avec 10 lits pour les enfants en transit qui sont de passage. Alors moi, au niveau de l'aide aux devoirs, j'ai surtout aidé pour l'instant les grands en maths. Quand je serai plus là, je suppose qu'ils s'aident entre eux. Que les grands peuvent aider les petits, mais les grands quand ils galèrent, je ne sais pas trop comment ça se passe, s'il y a des gens qui peuvent les aider ou pas. Nous avons eu à l'esprit de scolariser tous les enfants, mais les enfants viennent de milieux différents
déjà avec une base, avec des lacunes. Et étant peu nombreux aujourd'hui par manque d'argent pour le personnel, nous ne pouvons pas les suivre efficacement. Et nous ne pouvons pas non plus payer des répétiteurs pour le renforcement de leurs capacités. Donc on demanderait premièrement des gens qui s'intéresseraient à venir aider les enfants à remonter et rehausser leur niveau scolaire et aussi des gens qui pourraient aider à renforcer nos capacités dans les premiers secours parce que nous n'avons pas d'assurance maladie. Et au niveau de l'administration, on aimerait quelqu'un qui vienne nous aider. Nous avons un comptable qui passe sporadiquement et on aimerait quelqu'un qui vienne aider à ce que nous puissions peut-être à travers ce qui va se passer avec tout ce que vous nous avez fait ici, si on arrive à avoir des bénéfices pour avoir du personnel compétent dans les domaines différents de nos activités, on aimerait une formation en comptabilité, en administration, en communication. Au niveau scolaire, c'est un moment où Tatiana arrête, elle fait les rapports. Par exemple, cette année, elle peut dire, bon, il y a trois qui sont au privé, l'escolarité, ça fait telle somme. Elle va faire part de ça à maman. Maman aussi, elle va voir comment elle peut envoyer. Il y a aussi les livres qui manquent, les cahiers, les stylos, tout ça. Elle fait une liste des besoins et puis elle envoie ça à maman. Moi, c'est Loukouyaou Jean-Baptiste. J'ai 22 ans, je suis en cas de terminale A, dans la littérature. Plus tard, j'aimerais devenir un grand agronome. Ouais. Parce que j'aime beaucoup le paysage, les bêtes. C'est pour ça que j'aimerais devenir agronome. Je m'appelle Gloria. J'ai 10 ans. Oh, je suis à l'aise, je suis heureuse d'être ici. Je suis bien installée ici. Tu veux danser la danse classique? Hein? Ouais. Wow. Je suis à la FUNA depuis la date de 2005. Bon, je suis venu ici. D'abord, c'est à cause de la crise qu'il y a eu en 2000. Il y a fait beaucoup de ravages dans plusieurs familles. Et moi aussi, j'en suis victime. Et j'ai perdu mon père dans cette crise-là. Donc, c'est pour ça que je suis aussi parce que le prince qui est. Bon. Qui était au début un orphelinat, mais qui n'est plus un orphelinat, parce que ici, c'est toute une famille maintenant. Et toutes les personnes qui viennent sont comme nos parents, nos frères et sœurs. La plupart d'entre nous, les vacances, chaque heure, tu tiens un tuteur. Parce que même si nous avons perdu un ou deux parents, quand même il y a des tantes, des gens aussi qui sont là. Nous partons passer quelques temps avec eux ici à la rangée. Du coup, on leur a fait faire des roues, on leur a fait faire des saltos avant, des saltos arrière. Ça, ils ont kiffé, mais bon, ça marche toujours, quoi. De toute façon, quand on fait jamais, c'est la sensation, waouh, trop bien. On a fait, qu'est-ce qu'on a fait dans la cour? On leur a fait faire des portées, quelques petits trucs, des figures sur des chaises, un peu. On leur a fait essayer de nouvelles expériences avec leur corps, quoi. Thank you.
fous avec moi. C'est pas que je suis, moi. C'est pas que je suis, moi. Si. Des ateliers de clowns et ça marchait plutôt bien quand même. On avait parlé de peut-être faire un spectacle à Banco et tout, mais je crois qu'on a déjà donné tellement d'énergie dans le poulailler qu'on, nous, physiquement, on était un peu rincés et qu'on était tellement dans la vie collective ici, dans d'autres moments, de petits jeux, d'être ensemble, que le cirque a été un peu noyé dans tout ça. Les petites activités autres que le cirque, on a fait des petits jeux de société. J'ai adoré le petit moment lecture de contes aussi, où ils étaient tout ça, ils écoutaient. Déjà, on apprend à connaître chacun d'eux. On fait des jeux, on discute, on rigole ensemble. On a joué avec eux pas mal, aux cartes, en fait, au Jungle Speed, au Uno. On fait pas mal de trucs comme ça et des moments où on discute des choses et d'autres avec eux. Un, deux, trois. Dans ce moment, il y a le verre. Monsieur, mademoiselle, grâce. Ouais. Il y a eu une victime pendant la nuit. Christelle. Donc la victime des loups-garous. Non, j'ai pas bougé. J'ai pas bougé, moi. Non, je n'ai pas bougé. En fait, il y avait une moustique là. Donc, Du coup, qui vote contre tout ça? Allez, vas-y. Alors, on parle beaucoup, ils nous posent plein de questions, on arrive à échanger hyper facilement. Il y a beaucoup de liens qui se créent, c'est cool. On passe du temps avec eux à jouer, à rigoler, à faire à manger, la vie, vie ensemble, quoi. On passe vivre des choses comme ça à notre âge, d'être sensibilisé à des trucs comme ça. Des trucs comme ça, je sais pas trop comment dire. Et je sais pas, c'est génial de faire ça, de partir à l'étranger, de rencontrer des gens, d'échanger, d'aider les gens aussi, de leur apporter ce qu'on sait, ils nous apportent ce qu'ils savent aussi, d'échanger des cultures, de voir. C'est pas que pour aider aussi, c'est pour moi c'est un ensemble, c'est plein de choses. Yo! Je suis ce que Dieu dit que je suis. Yo, yo, yo. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Yo, 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 ça comme yo, yo. Bien sûr, on en profite pour remercier l'orphelinat Le Prince qui nous accueille depuis maintenant presque une semaine et pour encore une autre semaine. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui nous aident au chantier pour construire le poulailler. C'est vraiment cool d'être venus, ça nous fait tous très plaisir. Ah, on l'applaudit quand même, non? Merci. Au revoir.
Bravo. C'est une petite boutique que Benoît est venu nous offrir pour vendre des petites choses qui pourraient nous autonomiser aussi. Ça fait partie de tout le projet qu'il a emmené avec son équipe. Merci. Quelle installation qui est là. Ouais, attends les filles, attends, voilà. Voilà. La pression sur le dos là. Là on fait le poulailler de poule pondeuse. Voilà. Il est bon, hein? Ouais. Et on va tous sauter là dessus là. Sur quoi? Non, moi ça me va mieux de faire ça. Hein. Ouais. Le plus fait, je pense que c'est de damer le sol. C'est ouais, avec une petite planche et tout. On amène de la terre dessus et en fait on tasse pour pouvoir ensuite par-dessus couler le béton. Ousmane. Là, Diarra.
Béton, 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 béton. Faire un bon béton, tu prends du gravier, pas le sable fin, ça c'est pour le ciment. Tu prends du sable un peu épais, gravier, tu casses ton sac de ciment dessus avec ta pelle et il faut l'étaler dans... En fait, il faut remélanger le gravier et le ciment pour créer un mélange homogène. Tu creuses un trou au milieu, tu mets de l'eau et un petit mouvement de pelle qui va de l'extérieur vers l'intérieur pour remélanger le gravier et l'eau ensemble jusqu'à ce que ton mélange soit liquide, mais pas trop. On est hyper fiers parce que c'est le premier ciment, rien que l'équipe des filles. Ouais, on ne s'est pas piqué nos pelles. Fabrice n'a rien dit, il n'a même pas critiqué. Ouais. On est contents. On a construit ce bâtiment de manière à ce qu'il soit pérenne. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire un poulailler et que ça coûte moins cher. Et puis dans 5 ans, que tout soit un peu abîmé et que ça ne tienne pas. Donc on a décidé de faire un truc avec des poteaux en béton. Oui, je m'appelle Dominique Goué. Dominique. Je guide, je suis maçon et c'est moi qui guide les maçons sur le chantier. Mon nom c'est Seyo Achille Emma. Seyo Achille Emma. Mon rôle sur le chantier, je suis maçon. La preuve en est que je viens de presque finir mon prépissage. Et puis bon, je suis maçon. Mon prénom c'est Jean-Régis. Jean-Régis. Le rôle que nous jouons sur le chantier, c'est juste les aider, aide maçon. Okay. On consiste à aider le maçon à mélanger le ciment. Voilà, les aider, je vais donner un peu de coups de main. Mon nom Konati dans Fabrice. Donc, mon rôle dans le chantier que je suis d'abord pour un premier temps, j'aide les maçons à servir de ciment puis de béton, à les apporter des briques. Après ce projet, c'est-à-dire après la construction, on va aller commander les poussins pour que le nombre de poussins qui va venir, ça serait 1500 poulets de chair. Après les 1500 poulets de chair, il y a 200 pondeuses qui viennent aussi. Moi, je suis le technicien fermier en même temps. C'est moi, je vais m'occuper des bêtes jusqu'à ce que les poulets arrivent. D'abord, les premiers temps, quand les poussins viennent, il faudrait que tu prennes soin de ces poussins-là comme ton premier enfant. Voilà, quand il faut les chuchoter pour qu'eux-mêmes ils sentent qu'ils sont venus dans une bonne main. Et je détecte aussi la maladie quand ils viennent le premier jour jusqu'à 21 jours, à 47 jours, si il faudrait qu'ils soient en bonne forme. Il y a le fermier qui essaie. Lui, son rôle, le fermier, son rôle, c'est de donner la nourriture seulement à les poulets. Voilà, son rôle c'est de donner une nourriture seulement au poulet. Maintenant le technicien c'est celui qui vient, qui dit bon, mets ce produit dans l'eau, mets tel produit dans l'eau. Moi je suis un peu chargé de tout, parce que moi je suis en même temps un technicien, en même temps un fermier. On a fait un puits derrière, là, on a fait un magasin pour stocker le grain. Un puits c'est de stocker à l'abri des souris ou des tirages. Et en avant on a fait un local pour la personne qui va dormir aussi. Pour dormir, il a un lieu pour stocker aussi le matériel. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Les choses ont changé, que les
bout d'Afrique. Et tu descends de bord pour que tu m'aimes encore. L'eau rentre dedans. Dans. On est obligé de verser l'eau. Les VA. Tu prends les VA. Et l'eau, ça sert à quoi? On verse l'eau, ça sert à rien. Ça quitte à rentrer. Ça quitte dans la venue. Juste. Quand ça dans verse. Donc maintenant, on prend les VA pour fabriquer. On prend pour fabriquer cette tapette. Les gommes. Le caoutchouc. Le caoutchouc. Tout ce qui est caoutchouc, ouais, c'est le VA. C'est le VA. Souvent, quand la pluie vient, ça sent. Le VA sent. Ouais, c'est ça. Non, ça sent mal. Oh, oui. Mais quand on prend pour fabriquer la chaussure, ça sent bon là. Oui. Les nouvelles chaussures sont toujours. Ici. Yo. Tandis que là, il n'y a personne dans je tous les cas. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Le Saint-Esprit habite en moi. Et les méchants ont peur de moi. Et les sorciers ont peur de moi. Parce que le diable rien me fait. Yo, yo. Ah! That's in my face. I'm losing track of every tongue that I taste. It's like the whole world is upside down. Can't even tell if this is real right now. Heads in the sky, we're gonna fly around with flames in our eyes. Just gonna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me. Merci, ça s'est réalisé et nous vous disons encore notre reconnaissance. That's on my face. I'm losing track of everything.
Just wanna laugh about it all night long. Somebody's gonna